Tu regardes quoi? Kevin a eu la bonne idée de mettre Mishka et Mushka. Comme ça, on peut essayer de se réveiller tranquillement. Mais ce matin, ça passe pas chiant. J'ai la gueule dans le cul, comme on dit. Très mal dormi. C'est perfect. C'est trop calme. C'est où j'étais? Non, c'est très bien. Bon, il y a monsieur qui est là-bas. Regarde pour un truc pour lui. Nous avons aussi Mini Pouce. Qui est dans sa chambre, va s'habiller et faire son lit. Enfin, il est déjà en train de faire son lit. Et nous allons pas tarder à partir. J'ai rendez-vous au médecin à 10h. Mais il faut toujours prévoir le temps de route. Donc on va pas tarder à partir. Qu'est-ce que je vous disais? J'arrive pas à me réveiller. Je serais bien restée couchée ce matin. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a plus de motivation. En plus, je pensais aujourd'hui qu'il allait faire beau et tout, mais même pas. C'est déprimant. Après, il faut changer d'écriture. Ah ben non, je l'accepte pas loin. L'écriture, pas le nom, l'écriture. Pourquoi? Le format. Ça, moi, toi, c'est comme ça. Ou alors tu laisses comme ça si t'aimes bien. Bon, je vous dis à tout à l'heure, faut que j'en discuter avec Karen. Bon, recoucou. Enfin réveillée et encore à moitié. Bon, du coup, je suis diabète. Hein. Bon, du coup, j'ai mon petit pot de colle qui nous a rejoint, comme d'hab. Body, qu'est-ce que j'ai vu dépasser de ta bouche? Ni de tout. Il s'est fait tout beau aujourd'hui. Petite chemise, pantalon camel. Tu vas mettre tes baskets? Oui. Oh, je suis le docteur ce matin pour mon bras. Parce que il va toujours pas mieux, hein, malgré que là j'ai pas de la tête puisque je viens de m'habiller, mais. Maman, bébé. Du coup, voilà. Bon, du coup, ça y est, je suis apprêtée, coiffée, maquillée. Je fais un petit peu moins peur. Il manque mes lunettes, puis dans la salle de bain. Faut que j'aille les chercher. Bon, ce matin il fait encore pas très beau. Et ça commence à m'énerver ce temps. Parce qu'il faut que. J'installe la tente pour mes parents pour vérifier qu'elle n'est pas abîmée, qu'elle est toujours imperméabilisée et tout. Parce qu'ils partent dans 15 jours. Et il faut vraiment que ça s'aille fait cette semaine. Parce que moi, après Kevin, la semaine prochaine, il reprend le travail et c'est mort. Il n'y a pas de. Comment? On va pas aller se balader comme ça l'après-midi, sachant qu'il est du matin. Oui, vous m'avez vu sentir. J'ai regardé si je chantais le parfum. Je me suis mis un petit parfum sympathique à la rose et j'adore ça. Du coup, voilà, je vous ferai, si ça vous intéresse, marquez-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse voir mes produits de façade et mes parfums. Je vous ferai un petit haul sympa avec tout ce que j'ai. Et voilà, donc au programme aujourd'hui, c'est ménage. Parce qu'en plus hier soir j'ai fini mon vlog, je suis partie me coucher donc j'ai pas fait mon ménage comme d'habitude. J'étais trop fatiguée et en moins de 10 minutes je dormais. Donc du coup voilà. C'est ça de courir partout. On n'a pas le temps de se poser tranquille et tout. C'est dingue quoi. Donc là on va y aller.
Faut que je pense à préparer mes papiers aussi parce que ma kiné m'a demandé des papiers. Donc du coup voilà, il faudra que je passe vite fait chez la kiné et après on remonte et je pense que je vais. Enfin j'ai des coups de fil à passer parce qu'on me prend trop pour une bourrique. Donc je vais aller souffler dans un téléphone. Sinon il faudra que je me déplace, mais monter jusqu'à Évreux, j'ai pas le courage. Parce qu'en plus, il faut que je demande à Kevin, puisque c'est lui qui a la voiture. Moi, j'ai pas encore le permis, comme vous avez pu le comprendre. Si vous me suivez déjà depuis quelques épisodes, je suis en train de passer le permis. Je suis encore à l'étape du code, mais j'ai pris des leçons de conduite, puisque j'ai un peu de mal avec. Enfin, mon code, je le connais, mais sur tablette, c'est mort, quoi. Je me suis plantée une fois. Donc, il va falloir que je me bouge le popotin, parce que moi, ça devient urgent le permis. Donc voilà, j'aimerais bien l'avoir avant décembre parce que Kevin doit se faire opérer d'un problème sur lui et tout. Mais si on n'a pas le permis, on est mal barré parce qu'il pourra pas conduire pendant 6 à 1 an. Donc sans permis où on habite, c'est la merde. Les courses, c'est la merde. Les rendez-vous médicaux pour Neil, les enfants et tout, c'est la merde. Donc du coup voilà, donc, il faut vraiment que j'arrive à le décrocher, mais je crois que je me mets trop de pression, trop de allez Steph, donc je crois que je vais y aller au feeling, et puis on verra bien. Oui, il manque mon alliance, on voit la démarcation, elle est dans la salle de bain aussi, je ne dors plus avec mon alliance, parce que ça se croche la nuit dans mon matelas et ça m'énerve. Donc maintenant le soir je l'enlève, comme ça mon doigt, enfin mon épiderme peut respirer. Donc voilà. Bon, je vous laisse. Je vais aller mettre mes petites chaussures, préparer Nil, préparer mon papier. Parce qu'il ne faut rien qui me manque. Et puis, je vous reprends sur la route. Hein. Peut-être ou peut-être pas. Allez, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait, Neil? Coucou tout le monde, il est très 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 plus tard. C'était pas français ma phrase, mais c'est pas grave. Il est 5h moins de quart là et on monte sur Rouen. J'ai besoin d'aller voir un truc, mais sur Tourville, le magasin il y est, mais il est trop petit. Donc on va aller sur Rouen. Tu m'as dit quoi? On y monte ou on descend? Non, on y monte. Ah, je suis pas sûr. Ah non, on monte sur Rouen. Sur l'altitude, je suis pas sûr. Enfin bref, là on va sur Rouen. On a fait la tente de ma mère, ça y est. Enfin, Kevin l'a fait parce que moi ça m'a un peu saoulé. À moitié. Hein. À moitié, oui. Puis à moitié parce que finalement, la tente est aussi grande que la maison. Voilà, est aussi grande que notre maison. Mamie. Ah, c'est pas quand même beaucoup. Bah non, mais ça prenait une bonne partie du terrain, donc on a juste vérifié sa toile. Et pour ses vacances là, c'est bon, elle peut partir sereine. Je pense que la tente elle devait faire la taille de la pièce à vue de la maison. Ouais, je pense, ouais. Enfin, je sais pas, mais elle est vachement grande en tout cas. Et ils partent que tous les deux. Hein. Donc voilà. J'étais chez le médecin. Donc pas très bon les résultats. Donc je dois continuer à porter ma coudière. Donc voilà, hein. Je l'ai retrouvée parce que je l'avais un peu perdue. Ok, nous l'a retrouvée. C'est la cause que tu l'avais mis depuis hier. Voilà, je l'ai posé hier dans le coffre et je me suis. Introuvable et au final elle avait glissé sous le tapis qu'on a mis en plus dans le coffre. Donc bon, au moins il faut que je la remette. J'ai re des médicaments à prendre. Et j'ai une infiltration à faire samedi matin. Aïe, ça va faire mal.
Enfin, logiquement, dans le coude, ça fait pas trop mal par rapport au pied. Kevin, on a une dans l'épaule, il a rien senti. Donc, je verrai bien. Et puis, j'en aurai peut-être une deuxième, puisque c'est une double. Ouais, une double tendinite. On va parler en termes français que j'ai. Terme simple. Terme simple, ouais. Donc, du coup, voilà. Pour la journée. Il fait chaud, là il fait 27 degrés, Kevin il a regardé tout à l'heure avant qu'on parte là. Toujours pareil. Je peux vous dire que ce matin j'avais un haut en laine gris, là je suis en débardeur. Dehors il fait carrément chaud. Oui, j'étais en short t-shirt ce matin et toujours en short t-shirt. Il fait son petit comique. Il a quand même demandé au médecin hein, ce matin pour sa jambe. Hein. Parce que c'est vraiment pas joli comme le médecin a dit. Mais bon, il faut simplement qu'il laisse à l'air libre, qu'il désinfecte bien. Et ça va se refaire petit à petit, parce que là, c'est carrément la chair, c'est même plus la peau, c'est la chair. Donc c'est quand même impressionnant, le saut. Hein. J'irai pas me frotter contre le saut, là. Saut 1, Kevin 0. Ah, carrément, là. Bon, nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Monstre, qui fait son beau gosse avec ses lunettes. De mini monstre casse-pied et de mademoiselle tête de cochon qui nous écoute pas aujourd'hui, donc j'y ai annoncé qu'elle était punie de télé jusqu'à la rentrée scolaire. Voilà ce que ça donne quand on n'écoute pas. En plus il y avait Tintin je crois ce soir. Bah ouais, on est mercredi, c'est ballot. Voilà, tant pis, elle rejouera pas avec moi. J'y ai dit que cette année j'allais pas la louper, elle a joué l'an dernier. Cette année, c'est mort. Bon, je vais vous laisser parce qu'on va arriver sur l'autoroute et sur l'autoroute je bloque pas, surtout que là on va sur Mont, j'ai gros bordel avec leurs travaux. J'aurais dû prendre de l'eau. Et voilà. Quand on vous dit qu'il y a des trucs, il faut pas une sorte un peu devant puis que ça bouge. Pardon, excusez-moi. Mais c'est pas réfléchi leur truc. Enfin bon, je vous dis à tout à l'heure. Bon, on va enfin le bac. Magnifique vue. Oh putain, il y a un cachalot qui monte dans la bagnole. Monsieur s'amuse à mettre du marqueur. Non mais. Vive la galanterie avec son épouse. Bon, on n'a pas une très belle vue hein, quand même. Tant pis. Ça sera pour la prochaine fois. Donc là on monte à Tourville, une petite course à faire dans Carrefour et boire pour le truc que je voulais. Et puis après nous allons manger un délicieux Burger King. Et il faut pas que j'oublie d'envoyer une photo à ma maman pour la narguer. Par contre samedi je vais prendre cher en arrivant chez elle. Ce qu'elle m'a dit hein. N'envoie pas de photo sinon je te défonce. Et bah, je vais envoyer une photo et elle va me défoncer, ça va être rigolo. Je sens qu'il y en a qui vont repartir avec des dents au moins. Enfin bref, bon. On n'a oublié aucun enfant. Hélas. Ils sont tous avec nous. Là, il y a 2 minutes, Neil, il était comme ça, en train de réfléchir à la prochaine connerie qu'il va faire. Donc voilà. Ça fait beau là, hein, mais trop chaud. 27. J'ai carrément chaud, en plus j'ai mis des grosses chaussures. Je suis pas à l'aise aujourd'hui. Au moins on a du soleil, il fait pas. Il pleut pas, c'est déjà principal. Hop, un petit virage. Enfin bon, on a quand même une belle vue. Hein. Je
sais pas si vous allez trop voir quelque chose avec le soleil. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Oh coucou. Bon, là on est sur le parking de Burger King. Pour moi, Kevin et Neil, puisque les deux grands sont punis, ils ont pas voulu écouter. Et bah, ils remangeront la même chose que ce midi. Tant pis pour eux. Je leur avais dit, maintenant je rigole pas. Ça m'écoute pas, tant pis. Bon, bah, j'ai trouvé mon bonheur à Carrefour finalement. Et beaucoup moins cher que prévu. Il y avait une bonne promo dessus. L'article valait 230€. Je l'ai eu à 199,90€ quand même. Donc ça vaut le coup. Ouais, vous entendez, il y a Mathis derrière qui pleure parce que je viens de lui dire qu'il était puni. Maman, je vais ramasser la carte. Non. Là, il y a Neil. Neil qui est sage comme un agneau. Oui, oh, t'es sage, mon petit bibi. Et Kili, bah non plus. Hein. Voilà, elle s'est encore fait rappeler à l'ordre aujourd'hui. Donc, c'est cuit pour elle aussi. Ah. Ah. J'ai Kevin qui vient de m'envoyer un message pour savoir qu'est-ce que je retirais de mon hamburger. C'était juste le cornichon, quoi. Comme d'hab. Bon, après, on va manger. Il m'énerve, il en fait exprès en plus. Et une bonne douche. Et eau de dos. Puis j'ai très mal aux pieds. J'ai mis des boots parce que ce matin il faisait pas beau, mais au final il fait beau et chaud. Vive la Normandie. Dis donc, petit bibi. Oui, hein. Neil n'est pas le dernier pour faire les bêtises. Généralement, c'est bien le premier. Qu'est-ce qu'il y a, mon crocodile? Donne-lui sa carte, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour arrêter de l'entendre crier? Bon, du coup, à Carrefour, j'ai pris une petite bouteille parce qu'au final, il fait trop chaud. C'était insupportable. En plus, il a fallu attendre parce que le vendeur sait pas faire son boulot. Carrefour, hein, normal. Il avait pas fait gaffe qu'il y avait une promo, du coup il m'a mis l'article plus cher et à la caisse ça passait moins cher, donc problème de garantie. Il nous a fait attendre 10 minutes. C'est pas comme si j'étais pressée, hein, avec 3 enfants au bout de caisse. Oui, Mathis, qu'est-ce qui se passe? Non. Non. Eh ouais, la prochaine fois tu nous écouteras. Ah bah ouais, mais au bout d'un moment, tant pis. Bon les amis, je vous dis à tout à l'heure. Parce que là je vais plus avoir beaucoup de batterie, il faut que j'appelle mon papa. J'ai un truc à lui dire. Avant que ma maman rentre, et avant que ça les dérange. Donc du coup je vais l'appeler maintenant et je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, ma Norbla à la maison. Enfin on est rentré depuis tout à l'heure. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai plus mal aux pieds. Qui est qui va bien manger ce soir? Et oui, monsieur s'est fait plaisir. Comme à Burger King, on peut personnaliser nos menus, c'est super. Moi c'est pareil, mon mien, hop, il est plus petit. Au moins comme ça, on a au moins des hamburgers qu'on aime bien. Bon, Kelly, elle est à la douche, Neil mange lui son menu, puisqu'il a été sage. Mathis, il est derrière moi, il mange en assiette, pas de menu, passage. Ils arrêteront de pas nous écouter quand on leur dit. Donc là, on va manger, je vais monter ce vlog. Et après, au dodo, demain matin, je conduis de bonne heure. Enfin, de bonne heure. Faut qu'on se lève de bonne heure. Donc voilà, donc sur ce, aujourd'hui, on va se laisser et on reviendra demain en pleine forme. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, sinon... Il n'y aura pas d'autres vidéos. Non, je rigole. Non, abonnez-vous sur la chaîne, comme ça, dès que je mets des vidéos, au moins vous êtes au courant. Suivez-nous sur Instagram, les mini-monstres, et sur Facebook, la famille Vanier. N'hésitez pas, hein. Comme ça, vous pourrez nous suivre encore un petit peu plus. Et puis voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.